De passage à Cannes à l'occasion du festival, Julia Vignali a retrouvé un visage familier qu'elle avait déjà croisé il y a plusieurs années, à l'époque où elle était encore enceinte. À l'occasion de leur retrouvaille, l'animatrice a fouillé dans ses souvenirs et a partagé une rarissime photo de cette période. Le festival de Cannes a décidément ameuté tous les médias. Ces derniers jours, CSI, une partie de l'équipe de Télématin qui a fait le déplacement dans le sud de la France pour couvrir le célèbre événement, dont Julia Vignali et Damien Thévenot, lequel est apparu différent après avoir opéré un changement physique. Sur place, les journalistes ont eu la chance de rencontrer plusieurs personnalités, à commencer par le casting du film Jackpot, réalisé par Ahmed Silla, aux côtés de Tom Menanto, Isma Kebe et Shin Thibault. Pour cette dernière, il s'agissait du tout premier festival de Cannes. Néanmoins, elle connaissait déjà bien Julia Vignali. En effet, les deux femmes sont même apparemment très proches, comme en témoigne une story postée par la chérie de Cannes Mehrad dans la soirée de mercredi 24 mai. Très heureuse de retrouver la jeune actrice de 25 ans, Julia Vignali s'est sentie d'humeur nostalgique et a décidé de partager avec sa communauté Instagram un beau souvenir datant de plusieurs années. Sur l'image, la belle brune et Shin Thibault apparaissent complices en train de se faire un câlin, mais surtout, Julia Vignali s'y dévoile enceinte. Et il est bien rare, pour ne pas dire que ça n'arrive jamais, qu'elle ne poste des photos de cette époque. La photo a été superposée à une autre captée à Cannes cette année, histoire de montrer leur évolution. 17 ans séparent ces deux photos, hashtag émotion, hashtag fierté, a-t-elle commenté sa publication. Voir notre diaporama. Son fils Luigi, déjà 17 ans, l'enfant que portait alors Julia Vignali, c'était son fils Luigi, né de sa relation avec Julien, qu'elle n'expose presque jamais. La dernière fois qu'il est apparu sur les réseaux de sa maman remonte sans doute à l'été 2021. À ce moment-là, elle l'avait filmé en train de jouer de la guitare en pleine rue avec son groupe. Julia Vignali forme en tout cas une belle famille recomposée avec Cannes Mehrad, qui a lui aussi eu un fils en 2004 prénommé Khalil et issu de son mariage passé avec l'auteur Emmanuel Cosso Mehrad. Un quotidien qui leur convient parfaitement car, malgré qu'elle fut annoncée plusieurs fois enceinte à tort, le couple né ne visage pas du tout d'agrandir la famille. À nous deux, nous avons bientôt 100 ans. Nous sommes un vieux couple, mais nous avons la chance d'être un jeune couple dans nos têtes. Alors on va profiter de cette nouvelle jeunesse que l'amour nous apporte, mais ça ne va pas aboutir sur une nouvelle naissance. Pas de faire part à l'horizon, confiait-elle à Gala.